Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour la première quête, peut-être de niveau 5 pour le coup. C'est une quête longue en plus, donc on va y aller avec notre groupe de gros balèzes, on va dire, hein, bien sûr. Voilà, c'est... Ah, mais attendez, s'ils sont niveau 5, il y a peut-être des trucs que j'ai pas améliorés chez eux. Ah, oui, non, je pense que j'ai tout, hein, oui, oui. Évidemment, je ne suis pas aussi bête que ça, et pourtant, ça aurait pu. Hop, on va comme faire ça, et lui, ça je l'ai pas monté, ok. No need, on est parti. Hop, embarqué. On va tenter la quête niveau 5. Parce qu'à niveau 3, je ne peux plus, hein, évidemment. Donc il me reste que ça. Ça a peu de choses à faire, après j'ai ça, je sais pas ce que c'est, horreur déroutante. Ça va être un boss qui va être ultra chaud, je pense. Moi, je suis en peur quand je fais des quêtes. Hein. Toutes les autres ne sont... Non, non, reculez, je veux pas faire ça, moi, je veux faire ça. Wow. J'ai eu peur. Ok. On va en prendre au moins 24. Ça on en prend 3, ça on en prend une. Ça on va en prendre plein. 36 c'est bien, ça me sert aussi de heal. Le reste je m'en cogne un peu, peut-être une deuxième pelle et on y va. Du sang. Simple sécurité, ils en sont où? En train de dépérir, ouais voilà, il y en a un en train de dépérir. En théorie je pourrais prendre que 200, ça devrait le faire. Ah mais c'est une quête longue. Je préfère en prendre 3, c'est une sécurité. Par contre, au bout d'un moment, je pourrais plus les sortir. Merci, je viens de ton follow. Bienvenue. C'est... J'ai peur. Genre, vraiment, c'est quelque chose que je crains un petit peu. Bon, on verra. On verra. Alors, toi, t'es en train de dépérir, c'est ça? Donc, toi... Voilà. Envie. Donc, l'envie, on en a rien à faire. Ok, allez, hop, on avance. Y a pas grand-chose ici. Est-ce que je fouille ça? Ouais, vas-y, fouille. Ça commence bien, ça commence trop bien. C'est pas grave. Il n'y a rien dans les deux premières salles, donc c'est déjà un bon début. Et... Ouf, on va enchaîner deux combats après. Ah, je l'ai pas mis... Ah, j'ai pas mis son armure niveau 3. Ah, mais je crois que j'ai pas débloqué les armures niveau 3, de toute façon. Suis-je bête? Est-ce que je fous? Ok. Il est en vie seulement. Ok, bon, très bien. Donc ça, je peux y aller, il n'y a rien. Voilà, il va falloir aller dans l'autre salle où il y a un combat de toute façon. Et je dois explorer 90% des pièces. Bonjour, il a l'air d'art, ce jeu. Le jeu est en effet bien. What? 4... Oh, tant de résistance. C'est pas stonable, c'est pas stonable, c'est difficilement stonable. Bon, on va essayer de dégommer lui d'abord. Oh là là. Ok, bon, s'il fait des dés... Ah, ok, j'ai l'air des dégâts assez restreints, ça va être bon, mais c'est peut-être pas des dégâts restreints, c'est peut-être juste... Oh, le critique, nice. Ok. Pardon? Il y a peu de chance que je stun, ouais. Aïe aïe aïe. Lui va être relou, tu vois. Ouais, non, mais ça va être galère. Le stun qui passe pas, ok, c'est bien. Oh non! Mec, t'es relou, laisse-moi te soigner. Oh. Non, mais s'il crève parce que je peux pas le soigner, parce qu'il a sa maladie cramoisie, ça va me saouler, enfin. Genre, je vais finir par perdre tous mes personnages à cause d'une maladie cramoisie, il y a 2 balles que je peux pas enlever. Ce serait un peu relou quand même. Ah, ça va. Ah, encore le saignement. Le
Aïe aïe aïe. Ah comment c'est ardu. Aïe. Ouais. Ça va encore être à lui de jouer, soon. Merci follow, Dissilus, bienvenue. Il a une résistance de 105% saignement, et pourtant il saigne. C'est quoi cette logique? Je me dis, fallait essayer, hein. On sait jamais. Ouh, génial. Tant de HP rendu. Bon, hop, ça s'arrête. Mais arrête de taper tes potes. Oh, cette malédiction cramoisie, elle me rend fou. C'est tellement une vraie galère. Merci Majbom. Bienvenue. Et merci pétard de... Oh là là. Mais non. Ça veut dire qu'à chaque tour je vais être... Attends. Hop, il va perdre 10 HP. Oh, le mob méga relou, hein. On va pas se le cacher. Je comprends pourquoi c'est une quête de niveau 5. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. Il m'énerve avec son saignement. Allez, il est grave chaud lui, et il meurt hein, là le boss. Enfin le boss, c'est même pas un boss en plus. Peut-être ça le pire, c'est que c'est pas un boss. C'est un monstre, tout ce qu'il y a de plus normal. J'avais pas pris de... Non, j'ai rien pris pour soigner saignement. Très bien, je suis un crétin. Waouh, ça a l'air super rigolo. Aïe aïe aïe, j'ai peur. Aidez-moi, secours. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai oublié de réinverser la position de mes deux clampins. Ok, ça va mieux se gérer. Limite, je laisse que lui en vie. Ouais, quoique non, lui soigne les autres, c'est un peu relou. En vrai, il faudrait même que je tue lui en premier. ...55% de chance d'étourdissement. Je prends. Dommage. Bah écoute. Merci Alex Kemak, bienvenue à toi. Comment on va faire ça? Ah, je vous cache pas les gars que... Je sens que là les... Ah mais... C'est tellement... Le personnage bouge dans tous les sens, je peux pas attaquer.
coup, je peux pas me soigner non plus. Ah oui, 16. Tiens, je me soigne de 16 aussi pour à peine. Non mais ça va, oui. Bon, c'est un frein de moi qui va attaquer. Laissez-moi jouer. Parce que là, c'est compliqué. Tue-le, s'il te plaît. Ah, je pensais que ce combat-là, il allait être genre easy, hein, mais... Il est terrible, en fait, ce combat. Je peux peut-être essayer de dégommer ça. Please! Ah là là, ce serait bien s'il n'y avait pas de chance dans ce jeu-là. Que tout était fixé. Non mais t'agonises pas vraiment, tu vois, regarde, hop. Tu désagonises. Eradicated. Et ben voilà. Maintenant c'est FK, tout le monde va se soigner, je pense. Oh mais mec, arrête de te mettre là, t'as rien à faire ici. Cher bastard, bienvenue à toi. C'est hard, c'est hard, c'est hard. Yoazu. Lui, il a pas besoin de ça. Non, mais ça va, l'attaque à 13, quoi. The wounds of war can be healed, but never hidden. Ça va, c'est ultra compliqué et je me demande si je vais pas abandonner la quête. Mais ça va. Non mais 11. Teetering on the brink, facing the abyss. Les dégâts infligés par ce mob sont juste insane en fait. Oh non! Oh non! Mais non! Fear and frailty finally claim their due. Ah, c'est trop. Ça donne quoi? Le jeu est bien! Le problème, c'est que moi j'ai commencé à jouer avec le DLC. Enfin, quitte à avoir le DLC, tu sais, dès le début il y avait le DLC. Sauf qu'il te rajoute des malus qui sont super relous dans le jeu, quoi. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Oh là là. Passer. Oh, passe pas ton tour, mec. T'as genre zéro le droit de passer ton tour. Enfin, meuf. Oh là 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 là. C'est comme un Dark Souls, mais moins bien, parce que t'as une part de chance là-dedans. T'as pas ton pote, crétin. Ah
Oh, va crever, toi. Mortality clarified in a single strike. J'ai 27 HP! Me veux pas des crits à ce montant-là, toi. Confidence surges as the enemy crumbles. Non mais mes mecs vont passer leur temps avec 2 HP. Je pense que ce truc là je peux pas le faire, mais en même temps je peux plus faire ce niveau 3. À quel moment je suis censé le réussir cela? Enfin. The walls close in. The shadows whisper of conspiracy. Si quelqu'un sait comment je suis censé réussir à un donjon comme ça où je suis à peine à la deuxième salle et j'ai quasiment tout à faire encore, je prends, parce que là. Je suis peut-être trop crétin, mais ça me paraît vachement compliqué. Non mais j'ai 23 HP, oh. Et mes débiles de personnages qui se tapent entre eux. Tu peux pas pex dans les donjons précédents. J'aimerais bien hein, mais tu peux pas. C'est à dire qu'une fois que tu passes niveau 3, tu peux plus faire le donjon niveau 1. Une fois que tu passes niveau 5, tu peux plus faire le donjon en dessous niveau 5. Et c'est ça qui rend le jeu vachement difficile. Ouais, rip comme tu dis, hein, parce que là. A trifling victory. But a victory nonetheless. Et non, c'est ce que j'avais voulu faire au début, sauf qu'après j'ai dû créer une nouvelle équipe pour refaire les premiers donjons. Je te cache pas que ça. J'étais pas vraiment content. Je me suis dit, hey, voilà, j'ai pas mal pex, c'est trop bien. Et en vrai, non. Ancient traps lie in wait. Unsprung and thirsting for blood. Est-ce que je prends le risque d'essayer une nouvelle salle ou pas? Est-ce que je prends ce risque? Oh, je veux pas qu'il y ait de combat. Ça va. Ouais non vas-y j'essaye pas tant pis. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. J'ai peur. Ah, j'ai peur. Oh. Oh non et lui il va les protéger. Oh, c'est non. Est-ce que je peux pas le tuer lui rapidement? Non, je pourrais jamais le tuer avant. Oh, please. Hé, hey, t'as pas de chance, tu loupes tes trucs. Allez, stun, stun, stun. Ah, zut. Ah, nice. Il y a des jours comme ça en ranked où c'est un peu puant. Non, mais ça va. Et je m'amuse grandement. Allez, moi je veux que ce soit compliqué, mais là. Là, c'est les mobs, ils me touchent à tous. Enfin. J'avais presque oublié ça, tiens. Hop, je vais lui mettre plein de dégâts d'enseignement. Non, il le touche pas, ça va. Aïe 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 aïe.
C'est la folie, ça. Mais tu veux 36 HP ? T'es un badass, mec. A moment of valor shines brightest against the backdrop of despair. Non mais 36 HP quoi. Vraiment c'est une vaste blague, il a 23 HP le mec. Ah heureusement que tu meurs pas d'un coup quand t'arrives à la mort hein, dans le jeu. Si c'est pas toi de jouer, voilà. Avec, Waouh. Alors autant j'ai pas de lock pour les esquiver tout, hein, autant ça, ouais, ça c'est bien. Oh non. En fait, quand ils sont à 0 HP, il leur faut une autre attaque pour mourir. Du coup, s'ils ont un heal avant de se faire retaper, ça va. Et là, il est mort, mais à vie. C'est-à-dire que c'est un personnage sur lequel j'ai passé 5, 6, 7, 8 heures, je sais pas. Et il est mort à vie. Plus jamais il va être là. C'est fini. Voilà. Tu imagines donc la frustration que peut créer ce jeu. Du coup, tous les golds investis dessus, tout le temps investi dessus, voilà. Disparu à jamais. Comme ils ont masse de malus, genre malédiction du sang, la maladie cramoisie, c'est un truc qui te pop dessus en mode random si tu as le DLC. J'ai le DLC. Ça pop sur mes persos. C'est terrible. Crise cardiaque. Non ! Oh là 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 là. Oh là là. Bute-le. Ok d'accord, il a joué tout seul, lui il s'est dit je vais taper celui qui est déjà mort. Oh, faut d'abord que je tabasse le gros là en plus. Ah oui, les dégâts sont bons. Ouh là 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 là. Ah, je sens que j'ai refusé mon temps de dégâts ou... Non, je suis bien. Après, voilà, il n'y a plus les gros DPS. Mais eux, ils vont stresser jusqu'au bout, c'est... Ça craint, ça. Merci ton follow, Gabriel. Bienvenue. Eh, ça y est, remonte petit à petit en HP. Eh ben non. En fait, non, c'était une blague. Oh non. Il est pas mort, il a pas pris des dégâts. Not up. If only to bleed again. Allez. Pas s'aimer.
Non, c'est vrai que je suis tellement bien dans ce match que tu peux passer ton tour. Oh, mais non. Arrêtez avec vos crises cardiaques, là. Vous êtes un peu relou. Personne vous a autorisé à crise cardiaque, ok? Bon. Alors, ah oui, non, elle avait 3. J'ai cru qu'il y avait 1 HP, en fait, vu la barre, mais non. Salut, Ralga, comment tu... Oh là là, oh là là. Non, elle t'a pas abandonné la lumière. Mais arrêtez d'agoniser pour un oui ou pour un non. Merci, Ralga. Oh là là. Et là, il y a un nouveau saignement? Non, ça va, résistance, ouais. Precision and power. Bon, bah je vais devoir abandonner la quête. C'est pas comme s'ils étaient pas déjà assez stressés. Vu que je vais abandonner, de toute façon... Bon, ouais, non, vu que je vais abandonner, je peux oublier les torches. Hein. Je peux aussi oublier les clés. Oh là là, j'ai perdu un perso, quoi. Oh... Non, laissez-moi le reste. Tendon fébrile, Tenya, très bien. Oh là là. Oh là là, c'est la déprime, c'est la déprime. Il est mort. Mais il est mort. Et comme par hasard, il y a un postulant maître chien qui arrive. Oh là 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 là. Quelle surprise, tiens. Je suis tellement deck. Bon, au cas où, hein, on va te mettre là, mais... Bon. Toi, il a la flagellomanie, donc il n'y a pas le choix, de toute façon, ce sera ici. Comme c'est que j'ai pas énormément de gold, on va pas se le cacher. Ouais, on vend tout. On vend tout, Balek. Je suis dégoûté, je vends tout. Bon, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Si la vidéo de la mort du personnage vous a plu, oh, c'est celle-là avec la lumière à plus de batterie, bah, quasiment. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce en l'air. Et pour déprimer avec moi, dites-le en commentaire. Tchou.